Alors pourquoi j'ai fait appel à vous? J'ai fait appel à vous parce que vous êtes les numéros 1, le top de chaque domaine que j'ai sollicité pour l'organisation de cet événement. Lieu de la fête, le Stade de France. 4000 invités en détente. 18h55, arrivée des invités. Sur un pianotage d'Elton John, en personne qui sera là, qui sera en train de jouer, les gens y rentrent, ils le regardent et kiffent. 19h10, canonisation de mon fils Samuel. Propulsion dans les airs de mon fils. Un système mis en place par nos amis experts des effets spéciaux ici présents, la société High Fly Bands. Ce que je voudrais, c'est que mon fils y vole. Je veux pas savoir comment. Je veux pas savoir combien. Je veux juste qu'il vole. Il vole ! Que les gens ils disent, c'est un fou, coco, son fils y vole ! Et qu'il retombe en toute sécurité, bien entendu. 19h16. Arrivée de la princesse, ma fille Julia, le moment d'émotion, la chair de poule, les larmes, elle est mignonne, ça va. 19h20, arrivée de ma femme Agathe. Elle arrivera dans le véritable carrosse de la reine d'Angleterre. À 20h pile, en prime time, en moment exceptionnel. L'apogée, l'apothéose, le moment que toute la France, elle attend. Mon arrivée. J'arrive devant le Stade de France, il y a quoi? La mer Rouge. La mer Rouge! Et quand j'arrive devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'elle fait la mer Rouge? Qu'est-ce qu'elle fait la mer Rouge quand elle voit une personnalité? Elle se divise. Voilà, elle se divise. Elle divise. Ce que ça dédicace à Moïse. Pour ouvrir le bal, un survol du Stade de France par la patrouille de France qui, après une chorégraphie aérienne à base de looping, de fanfreluche, de farandoles, d'arabesques, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous! Je veux juste que dans le ciel, ils inscrivent en bleu, blanc, rouge, Mazal Tov. Bien. Hein? On est d'accord ou pas? Il y a des questions? Des doutes? Des angoisses? Des... qu'est-ce qui se passe? Oui, mon commandant, qu'est-ce qui se passe? Oui, la seule chose qui pourrait réellement nous handicaper, c'est la météo. Quoi, la météo? S'il pleut, on est chocolat. Chocolat? Ah ouais, chocolat? Il n'y aura pas de chocolat. Et il pleuvra pas. Ce soir-là, il pleuvra pas. Ou on a des relations. Ou on n'en a pas. Au boulot.